Attention, ceci n'est pas une simulation. Sur le lit d'accouchement, une femme en phase de travail. Pas de panique, elle semble être entre de bonnes mains, celle des sages-femmes. Une équipe agréablement chapeautée par un homme, le maïticien. Disons, comme dans ce cas, elle a des douleurs, ce n'est pas très intense. Ce qu'on a fait ici, c'est la suivre. Et tant qu'il n'y a pas de souci apparent, on laisse évoluer. Un métier pas toujours évident pour un homme dans un environnement beaucoup plus féminin. Parfois, elles vous disent, mon mari est là dehors, s'il entre et vous trouve là, je n'ai pas un problème, mais lui, nous avons plusieurs ethnies qui nous rendent visite à l'hôpital du Seyi-Lor-Baba, parmi lesquelles il y a une ethnie parfois qui refuse ou alors est abstrait. C'est pas qu'ils le veulent, parfois c'est la religion. Anissé est l'un des deux maïticiens de cet hôpital, une compagnie masculine qui force l'admiration dans un métier où l'on retrouve assez de femmes. Je sais quand même que beaucoup de femmes aimeraient bien être entretenues par les hommes. Dans notre hôpital, je pense que c'est beaucoup plus une famille. Nous nous comportons beaucoup plus en frères et sœurs qu'en collègues pour que ça puisse bien passer. Ça se passe très bien. À l'occasion de la Journée mondiale des sages-femmes et maïticiens, célébrée le 5 mai de chaque année, l'hôpital du district de Lor-Baba nous fait découvrir les particularités de ce métier et des autres services sanitaires qui l'accompagnent, notamment le service de néonatologie, la banque de conservation de poches de sang, ainsi que le bloc opératoire pour le traitement des cas compliqués.